Astronaut Story, c'est une série qui vient à la suite de mes travaux sur l'aventure spatiale, le Space Project, sur les robots de Man Machine, sur l'architecture de Brasilia. Donc on retrouve, du point de vue du fond, mes préoccupations, mon terrain de jeu pour les grands récits utopiques et leurs mystères. Tandis que du point de vue de la forme, on passe du documentaire à la fiction, voire au fantastique ou au surréalisme, mais toujours avec cette idée d'exagérer quelque chose qui existe, de garder un lien avec une réalité possible. Non-adjacent locations can control and manipulate space. Alors le second cycle est un bestiaire de créatures en voie d'apparition. C'est une collection de photographies encadrées avec des plaques en laiton qui viennent donner la légende scientifique de l'espèce. Ce sont des créatures mutantes, à la fois familières puisqu'on va reconnaître un chat, un ibis, une libellule, mais en même temps lorsqu'on s'approche, on se rend compte que par exemple le scorpion a des pinces en métal et qu'il s'agit en fait d'un chirurgien qui va venir vous opérer à distance. Donc c'est un bestiaire fantastique, mais également technologique, qui s'inspire des codes du cabinet de curiosité, des planches encyclopédiques de sciences naturelles, et qui reprend, dans l'idée du bestiaire, tout un inventaire de formes, de couleurs, de matières, de détails, avec toute une esthétique picturale et des éclairages naturels, parfois en clair-obscur, comme des lumières d'église, ou alors très enveloppées, presque irréelles. Thank you.